Arnaud, la France, ça t'intéresse? La France? C'est sérieux, la politique. Je me prends pas pour toi, mais c'est juste comme tu sais rien faire. Bah, je parle quatre langues, quand même. Oui, mais Catherine, elle fait sa campagne en France. Et en français, du coup. Mais je parle français aussi. Tiens, aide-moi. Je veux pas de palmiers sur les photos de Pascal. Donc quoi, faut les couper? Non, on va plutôt baisser les stores. Vous êtes le nouveau stagiaire? Non, je suis son nouvel assistant. Agnès! Mais qu'est-ce que tu fais taire? La nana, elle a eu un problème. Mais me raconte pas ta vie, je m'en fous! Espèce de cocole. J'aime pas trop quand on m'appelle gogole. Hein. Dans ma bouche, c'est affectueux. C'est toi qui as écrit ça? Oh, j'ai fermé la porte. Ouais, ça va, j'en ai vu d'autres, des zigounettes. Hein. C'est ça qu'il nous faut pour demain. Tu mérites une récompense. Tu m'attends dans la chambre, je reviens. La politique, c'est un milieu bourré de phéromones. On avait dit du papier écolo, non? Il est tout blanc et tout lisse. Justement, on a réussi à éliminer le côté gris dégueu du papier biodégradable classique. Pour les gens, biodégradable, c'est forcément gris et dégueu. Là, on perd tout l'impact. Bah, je vais pas le teindre en gris, quand même, non? Pourquoi pas? J'en sais rien, moi, Salim. Gère-moi ça. Mais la France, elle attend que ça. D'y aller, de la prendre comme ça, de lui mettre son tarif, tu vois, comme un homme. Donc, vous avez un rapport quand même très libidinal à votre pays. Hein. Catherine, on avait parlé d'une petite déambulation dans la ville pour aller à la rencontre des gens. Les gens? Les électeurs? Ah oui.